Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And we'll see together in this video les expressions, but then as usual in this series, more precisely one French expression. And this expression is right here, faire des économies. Faire des économies, and then we'll make the liaison here, des économies. Faire des économies. Okay, so if you want the translation in English, it's right here. And let's see an example. Je fais des économies pour acheter une maison. Je fais des économies pour acheter une maison. Okay, so I save some money to buy a house. Acheter, it's to buy, and then une maison, a house. Je fais des économies pour acheter une maison. Okay, so let's see now how this expression, faire des économies, will be at the past tenses. And the first one that we can see is passé composé, so it will go like that. J'ai fait des économies. And then if you want to see l'imparfait, je faisais des économies. Le passé récent, je viens de faire des économies. And then le plus que parfait, j'avais fait des économies. Okay, so one more time. J'ai fait des économies. Je faisais des économies. Je viens de faire des économies. J'avais fait des économies. All right, and let's see few other tenses. And the first one is le futur simple. Je ferai des économies. And then le conditionnel présent. Je ferai des économies. So you can see that you write them differently, but then phonetically, they are exactly the same. Je ferai here and je ferai here as well. For the futur proche, the near future, je vais faire des économies. And the last one, le subjonctif présent, que je fasse des économies. Je ferai des économies. Je ferai des économies. Je vais faire des économies. Que je fasse des économies. Et voilà, merci, au revoir et à bientôt.